Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Fils et de Twinner et aujourd'hui, on vous fait gagner des V-Bucks et de l'argent. Attends, des V-Bucks et de l'argent, mec, j'adore ça. Des V-Bucks, de l'argent, mais surtout, il y a une carte au trésor de V-Bucks. Et les gars, pour pouvoir avoir la carte, c'est très très simple. Je vous explique le concept. Vous voyez ici, il y a tout simplement trois Lucky Box. Alors, il y a la verte, il y a la jaune et il y a la rose. Peut-être que vous allez être tenté de prendre une box aléatoire, seulement ça ne va pas se passer comme ça. Mais... celui qui va pouvoir choisir la première box, c'est celui qui fera le plus gros chiffre avec ses 2 dés. Celui qui fera le plus gros résultat choisira sa première box. Hey, ok, c'est sympa. Moi, je vous le dis, les gars, je vais m'enrichir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout et surtout, il faut faire quoi? Bah, dès maintenant, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo, c'est super important. Mais tu sais quoi? Je parle trop vite parce que regarde déjà, hop, j'ai fait 12. Ah, non, bon, là, je triche, gros. Arrête. Allez, vas-y, Tuner, c'est parti. Ok, bon, c'est parti. Vas-y, je te laisse. Allez, vas-y, c'est parti. Il triche, ok, ça fait 7. Ok, Jean-Fils, maintenant c'est à toi. Les gars, c'est à mon tour, les gars. Team Jean-Fils, on est là. Allez, c'est parti. Hop. Ok, ok, ça tombe beaucoup. Non. Oh là là. Jean-Fils, c'est vraiment trop nul. Et donc maintenant, les gars, c'est à mon tour. Bon, les gars, je prends. J'ai pris. Là, c'est parti. Oh là là, les gars, j'ai fait le plus gros chiffre. Donc, du coup, c'est moi qui vais choisir la première box. C'est parti. Laquelle je vais choisir entre la verte, la jaune et la rose? Dites-moi dans l'espace commentaire laquelle vous auriez choisi. Moi, les gars, je pense que je vais prendre la jaune. Oh non, mais c'est celle que je voulais. Moi, je vais prendre la jaune. Twinner, tu prends laquelle? Bah, vas-y, la verte. La verte, et Jean-Pierre, tu prendras. Bah, je suis obligé, gros, j'ai pas le choix, mec. Tu prendras la rose. Alors, du coup, place au gagnant. Tu peux me filmer, c'est moi qui vais ouvrir ma box. Faut savoir qu'il y a une box où il y a rien, une box où il y a des V-Bucks et une box où il y a une carte au trésor de V-Bucks. Du coup, les gars, c'est directement parti. La boîte jaune, est-ce que c'est la boîte qui va me faire. T'as rien. Oh non. Mais wesh, mais moi je gagne. Au final, c'est moi. Ouais, vas-y, bon, allez, tu n'as que ça. Moi, je vais avoir un truc, je le sens, gros. Regarde. Ok. Oh, c'est la carte au trésor. T'es la carte au trésor. Ok, alors du coup, attends, on va regarder la carte au trésor juste après. Il y a déjà un plan, tout ça. Mais du coup, Jean-Fils, c'est à toi d'ouvrir ta box. Et logiquement, Jean-Fils, tu es censé avoir des V-Bucks gratuits. Tu es censé avoir des V-Bucks gratuits à l'intérieur. Bon, du coup, les gars, ça y est, Twinner a rendu la carte de V-Bucks à Jean-Fils. Et donc, tu découvres ici une carte au trésor qui représente tout simplement la maison. Mais c'est où on est? C'est ta maison à 2 millions d'euros, ça. Ça, c'est la maison. Alors, par exemple, là, on est là, du coup. Là, nous, on est à peu près ici, tu l'as bien compris. Alors, le problème, c'est que cette carte au trésor n'est pas logique, puisque comme tu le vois, il y a un point 1, un 2, mais il n'y a pas de 3. Donc, du coup, tu vas devoir en fait suivre des étapes. Je t'invite en fait à retourner désormais. Et regarde, c'est une carte au trésor à 10 étapes. Oh, attends. Bah, tu sais quoi? Alors, l'étape 1, trouver le papier sur la carte. Mais surtout, regarde, il y a en fait une étape barrée juste derrière. Mais il y a une étape barrée que tu ne pourras pas voir. Mais il y a un truc que j'arrive presque à lire là, tu vois pas? Ah, code créateur à l'EN. Ouais, non, mais j'ai l'impression de voir. Abonne-toi plus like. Ah voilà, c'est parce que les gars, 60% d'entre vous n'êtes pas abonnés, donc abonnez-vous. Alors trouve désormais le point numéro 1 sur la carte et c'est parti. Alors la chasse aux cartes de V-Bucks va débuter. Le 1, c'est la pétanque. Le pétanque. C'est la pétanque. C'est la pétanque. La pétanque. On est parti pour faire de la pétanque. Bien entendu, le plan avec toi, tu ne le perds jamais, c'est comme ton ombre. Bon, je te suis, mec. Hein. Alors c'est parti, moi je vais te suivre désormais. C'est entre pétanque et les jeux. Oh mais mec, en fait, c'est une chasse aux œufs, gros. Alors, c'est une chasse aux œufs. Sauf que c'est pas une chasse aux œufs, c'est une carte au trésor à V-Bucks. Alors du coup, là, si on suit la logique. Mec, attends, c'est entre pétanque et les jeux. Ça devrait être juste à côté du terrain de pétanque. Ok, je suis en train de chercher. Oh là là. Quelle petite épreuve de la part de Tuner. Fais gaffe, ici, c'est un jeu réservé pour les enfants, mec. Hein. Ouais, et surtout, on n'a pas le droit d'aller ici, donc on va pas toucher à ça. Hein. Alors, du coup, les gars, c'est parti. Attends, mais. La première étape ici, je te reprends le plan le temps que tu découvres ce nouveau papier. Allez, c'est parti. Ouvre-le. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un message, un nouveau message. Alors, on va le lire ensemble. Alors, lis le message. La mallette se trouve au point 7 sur la carte. Lire le papier proche de la mallette. D'accord, ok, donc ça, c'est une première étape. Ça veut dire que la mallette est pas très loin du numéro 7. Mais ça veut dire que dès le départ, tu vas avoir la mallette, mais il y a 10 étapes. Donc tu vas avoir la mallette mais tu ne pourras pas l'ouvrir dès le départ en fait. Ok. Allez c'est parti, donc je te laisse reprendre ta petite carte. Je garde ça dans ma poche si on en a besoin un autre moment. Donc où se trouve le point numéro 7 sur la carte? Le point numéro 7 est derrière, de l'autre côté là, il faut qu'on fasse le tour là. Ok, allez, on va faire du
coup le tour de la maison, c'est parti, je te suis. Et le numéro 7 est plus vers là-bas. Ça veut dire que ça va être plus là-bas là. Ça va être vers le fond du jardin alors. Ok, attends. Avec ma boussole, elle me dit d'aller là-bas. Boussole. Heureusement que t'as la boussole d'ailleurs. La boussole là me dit d'aller vers là-bas. Oh, la mallette. Mais attends, mais non, mais il y a une mallette de V-Bucks là. Il y a une mallette de V-Bucks qui était cachée derrière là. Il y a le message avec. Avec un message. Il y a le message avec. Oh, il y a beaucoup de choses. Cette mallette renferme 1 million de V-Bucks. 1 million de V-Bucks. Le premier chiffre du code est 7. Le deuxième se trouve au point 4. Oh, mais oui. Mais oui, regarde, il y a un code. En fait, à chaque étape, tu vas devoir trouver un nouveau chiffre. Et à la fin, ça va te donner le code. Okay. Alors, du coup, on va déjà le taper. Donc, le premier, c'est quoi? C'est le 7. C'est le 7, ouais. D'accord. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est que nous, on le mette ici, le point 7. Donc, c'est le numéro 7. Alors, du coup, là, c'est bon, les gars. On y est. 7, on a 7, mis 7, le 7, 7. Pour commencer. D'accord. Yes. Et par contre, ils t'ont dit d'aller à quel point après? Maintenant, il faut aller au point 4. 4 ok, 4, 4. Le point 4. On va les gars, je prends la mallette, ça va. Ok, bien vu, Jean-Fils. Prends la mallette avec toi. Le point c'est numéro 4, il est entre la piscine et la maison, on dirait. Je sais, c'est là où il y a le truc extérieur, là où on peut manger. Le salon extérieur, ouais. Mec, c'est juste à côté du salon extérieur. Ok, c'est parfait. Les gars, ils sont un peu en train de courir un peu plus vite que moi. Moi, je galère. Moi, j'ai. T'es chargé de la mallette avec 1 million de V-Bucks. Ah, c'est ça, les gars. Oh, attends, mec. Oh, sous les couvertures et tout, là. Sous les coussins, c'est sûr. Attends. Oh, y a pas. Non. Attends, dans tes caleçons, peut-être. Non, ok, bon, dans les caleçons, non. Caleçons. En dessous, là, non. Si on regarde là, ici, là. Oh, y a pas. Non, mais c'est là. Oh, ils ont mis une carte avec déjà. Et il y a une carte de V-Bucks. J'ai une première carte de V-Bucks. Oh, 13 500 V-Bucks. 13 500 V-Bucks. Les gars, si vous aussi vous voulez une carte de V-Bucks, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Alors, du coup, c'est parti. Je te prends la carte, je te la rends à la fin de la vidéo. Okay. Alors, le message. Oh non, c'est un calcul. Oh, bizarre. Oh là là, le calcul. Oh, ça fait mal à la tête. D'accord. Les chiffres. Allez, je vais t'aider. Je vais t'aider. Normalement, je suis plutôt bon. Ok. Le deuxième chiffre est 7 x 7 plus 41 moins 80. Alors, ah, 7 x 7, 49. Plus 41, 90, moins 82, 8. Attends, mais t'es pas censé l'aider, gros, c'est à lui de le faire, gros. 8. Oui, mais en fait, il m'a dit qu'à la fin de la vidéo, on aura le droit de partager les 1 million de V-Bucks, les gars. Attends, tu vas me partager les 1 million de V-Bucks avec moi ou pas, mec? Ouais, moi, avec moi. Voici une carte de V-Bucks pour commencer à aller au point 5. En fait, c'est histoire de nous prouver que cette mallette, elle renferme vraiment des V-Bucks. Mais attends, du coup, il faut qu'on mette le code sur la mallette, Jean-Pierre. Ok, elle est où la mallette? Elle est là. Numéro 8. Donc, le numéro 8, on a dit. Le numéro 8, c'est le deuxième chiffre ici. Ouais. Ok, alors du coup, oh mince, j'ai tourné ici. Attends. Donc, c'était le 7 et après, c'était le 8. Voilà. Ok, c'est on bon. Y est presque. On a déjà deux chiffres, mais attends, il y en a encore trois autres ici. Regarde, ok, c'est parti. Et après, ils nous ont dit d'aller où? 5, au point numéro 5, ils nous ont dit. Mais c'est où? C'est là. Pour manger là, pour manger le barbecue. Oh, c'est près du barbecue pour manger. Ok, c'est parti. On y va. Les gars, moi j'ai envie d'aller dans le jacuzzi, moi. Mais non, allez, viens avec nous. D'abord, il faut le million de V-Bucks. Allez, on y va. Mais c'est 1 million de V-Bucks. Allez, 1 million de V-Bucks d'abord. Tu m'as dit que c'était plus de là où on manquait. Ouais. Les mecs là c'est vraiment énorme hein. Oh les gars regardez, il y a lama de Fortnite mort là. Oh non, écrit des creeps dans l'espace commentaire, le pauvre lama. Oh non. Attends, mais cherche gros. Là je les vois là-bas. Il y a un truc là. Oh ça. Tu vois là ou pas? Et ça, ouais, je viens de le voir, le petit truc blanc. Oh tuner, attends, on va le lire ensemble. Ouais. Le nombre d'abonnés doit augmenter. Allez au point 9. Oh, ça veut dire que vous devez tout de suite vous abonner à la chaîne et après on va au point 9. D'accord, mais le point 9 il est où? Oh là, attends, parce que mec, je me suis perdu. Il y a vraiment beaucoup trop d'énigmes, il est trop compliqué ce plan. C'était par là ou là? Il y a trop d'étapes, c'est n'importe quoi. C'est là. Alors le point 9 c'est vers là ici. Vers le tour, par là. Mec, c'est près de l'entrée. D'accord, je crois que c'est à l'avant de la maison. Ok, on y va. Vas-y. On y va. Par là. Ok, là les gars, on se retrouve en face de la maison à 2 millions d'euros de l'étoile noire, les gars. Mec, c'est censé être quelque part ici. Dans les poubelles. Oh non, c'est répugnant. Regarde là, il y a le clavier que Jean-Pierre il m'a cassé, les gars. Jean-Pierre il a encore cassé mon clavier. Oh non, c'est vraiment répugnant. Oh mais ça donne faim tout ça là. Attends, quoi, ça te donne faim, mec? Regarde. Moi, ça me donne pas faim du tout, les gars. Ça me répugne même carrément. Oh là. Oui, là. Ok, c'est parti, tuner, je te laisse lire le message, mec. Okay. À la base des bases, c'est ta mallette à 1 million de V-Bucks. Oui, c'est vrai, c'est pour moi. Des cailloux ont été déposés. Un caillou est égal à un. Un caillou est égal à 1. Ok, ouais. Comptez les cailloux pour déterminer le troisième chiffre. Rendez-vous au point 11. Oh, mais mec. Attendez, mais. Mais c'est là les cailloux, c'est là. Oh, là, il y a des cailloux. Là, il y a des cailloux. Là, il y a 4 cailloux. Donc, normalement. Rajoute 4. 1, 2, 3 et 4. Ok.
Donc là, le troisième chiffre, ici, c'est un 4. Donc ouais. Déjà, on a tout le code de gauche, c'est 784. En vrai, on peut la détruire, non, avec un côté. Oh, non, photo. Mec, je sais pas. Non, je pense qu'on n'y arrivera pas. Il faudra, mec, c'est une mallette quand même super méga sécurisée. Okay. Et ils t'ont dit d'aller où? 11, 11, 11, 11. Au point numéro 11. Et bah, c'est parti, les gars, on y va direct. C'est parti. Sous le point numéro 11, nous, on est là. Et il faut qu'on aille là-bas. C'est encore de l'autre côté de la maison, mais ils sont chiants, ceux qui ont fait cette carte au trésor. Cette grande carte au trésor, ultra longue. Pour la mallette, gros. Ouais, j'ai la mallette comme ça. Je l'ouvre directement après. Je prends tous les V-Bucks. Les tiroirs, on te suit. Et n'oublie pas qu'on devait faire moitié-moitié pour les V-Bucks. Non, 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 il n'y a pas de moitié-moitié. C'est moitié-moitié, moi et une heure, gros. Alors là, si je suis la loupe. Regardez les gars. Regardez les gars, il est en train d'avancer tout seul. Gros, ça dit, gros. Ouais. Il a peut-être la carte, mais nous, on va gérer, gros. On va, il va avoir zéro V-Bucks, gros. On va lui prendre tous ses V-Bucks, gros. Il va lui en rester zéro. Ah, ouais, c'est bon, on arrive, gros. Gros, il a rien capté, gros. Je peux rien lui dire. Oh, attends, c'est le parcours du combattant ici, mec. On va y arriver. Oh, on est là. Alors, tu te repères dans le. Là-dedans? Plus vers la droite, ça doit être quelque part par ici. Hein. Oh, ouais. Attends, mais je connais cet endroit. Attends, mais c'est le repère de Ugi-Ugi, ou? Mais oui, non, me dis pas qu'il y avait Ugi-Ugi qui va arriver quand même. Les gars, il y a Ugi-Ugi qui arrive par ici, gros. Mais ça sent. Imagine. L'indice, il est peut-être dans l'arbre, non? Gros, qui grimpe? Qui a envie de grimper dans l'arbre, gros? Vas-y, je vais. Vas-y, essaye de grimper. Vas-y, essaye de grimper. Oh non, il arrive pas, gros. Wesh! Attends, gros, il a volé! Reviens là, toi! Oh, mais on a pas fini les codes, ok? Attendez, il est sérieux, l'étonneur? Il est parti avec la mallette, gros. Fais pas le malin, l'étonneur là. Pourquoi tu fais ça, gros? On a fait tomber un truc par terre. Oh, mais non, elle est là-bas, les gars. Ah, mais c'est l'indice, gros. Non, elle est là-bas. C'est là-bas, regardez, c'est ici, c'est juste ici. Ah oui! Là, il y a un nouvel indice. Oh, le deuxième. Oh non, c'est un nouveau calcul. Non. Attends, celui-ci, on l'a fait tomber, on est d'accord. Le deuxième code, c'est le résultat de. Waouh. Ouais. 128 x 7, ça fait combien ça? Ça fait 700. Ça fait 840. Ça fait 896. Plus 9, ça fait 905. Et gros, au pire, t'as pas un téléphone qui fait le calcul à ta place, gros? Moins 47. Ça fait 858. Ouais. Plus. 78. Mais c'est un génie. C'est un génie en fait. Attends, c'est un génie, les gars. Combien, les gars? Je sais plus. J'avais dit. Allez, combien? T'as un téléphone. Bon, vous avez pas un téléphone là, les gars? Jean-Fils, les gars, il va nous sauver en fait. Jean-Fils a son téléphone. C'est parti, Jean-Fils, sauve-nous. Je te dis que tu nous le calcul. Alors, 128. 128. Fois 7. 128 fois 7. Plus 9. C'est égal. Moins. Plus 9. Moins. 47. 47. Plus 78. Plus 78. Moins 129. Oh. Et c'est les derniers chiffres du coup. Et là, ils nous ont dit à la fin. Quoi, ça fait 807. Oh. Ouais, mais attends, ils nous ont dit rendez-vous au point 2 pour ouvrir la mallette. Oh, ok. Donc on peut pas l'ouvrir maintenant. Mais attends, écris déjà le code. 807. D'accord. Allez, c'est parti, tuner. 807, d'accord. Et donc maintenant, on doit aller au point 2 pour l'ouvrir. Attends, mais les tonneurs, il y a un problème. Rendez-vous au point 2 pour ouvrir la mallette. Et donc, le point 2, où est le point 2? Mec, c'est de l'autre côté, tuner. C'est que Ugi-Ugi, il a pas volé les V-Bucks, c'est moi. Vers là-bas, tuner. On y approche, puisque regarde, là, on a fait tous les chiffres qui étaient sur la carte au trésor. Oh, mais gros, on va bientôt pouvoir avoir les V-Bucks, mec. Voler tous ces V-Bucks. Let's go. Allez, tonneur, let's go. Va, les tonneurs. Devrait y avoir. Ça doit être quelque part par ici, là. Oh là, je vois, là. Gros, il fait quoi là? Il fait quoi? Il part se cacher, il est bête. Il a oublié que c'est nous qui avons la mallette ou quoi? Moi, tu sais que j'ai la mallette, l'étoile noire, hein. Le code de gauche est faux. Quoi? Oh. Mais du coup, ça veut dire quoi? Le code de gauche est faux. Il faut enlever le résultat? Il faut enlever. Donnez-moi la mallette, j'essaye. Non, on n'a pas confiance en toi, l'étoile noire. On n'a pas confiance en toi, la mallette, elle est à nous. Non, je te passe pas la mallette, moi, de toute façon. Il faut enlever 12 au résultat de gauche pour pouvoir ouvrir la mallette. Attends, toi, okay. Tu viens, je te donne la mallette. Je vais mettre 12, ok? Pas de bêtises. Bon, c'est bon, le vas-y. Le résultat de droite ou de gauche? De gauche. Et après, c'est censé s'ouvrir la mallette. Ok, on enlève 12. Du coup, c'est 72. Oh, gros. T'as attends. Vu ça, mec? Et l'autre côté? Attends. Oh! Attends, ouvre! Wesh! Oh! Wesh! Non! Hé, tu fais quoi là? Tu fais quoi, gros? Non, il part avec les V-Bucks, mec. Voilà, mais mec, je veux te choper. Bon, les gars, vous avez vu, l'étonneur est parti avec les V-Bucks, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a oublié de tout prendre. Regardez à l'intérieur, il reste encore masse de V-Bucks. Vous savez quoi, les gars? Je vais prendre ça et je vais partir et je vais mettre tout ça sur mon compte Fortnite. Les gars, comme vous le voyez, j'ai pu m'enfuir avec plus d'un demi-million de V-Bucks. Mets un commentaire si tu veux que j'en fasse gagner à ma communauté. Et surtout, clique ici pour visionner une autre vidéo.